Et bien Montpellier restait sur une série de 7 victoires consécutives sur cette pelouse de la Mosson. Alors la venue de Lens sera peut-être l'occasion de renouer avec les bonnes habitudes. Mais attention, d'abord un boli peut en cacher un autre. Après la visite de Basile mercredi, c'est Roger qui se présentera tout à l'heure sur la pelouse du stade de la Mosson. Et en plus, Lens se souvient de s'être imposé à Montpellier l'an passé sur le score de 3-1. Montpellier-Lens, Christian de Tranchant. Ce recueillement très solidaire des Lensois a été dédié à la mémoire du jeune fils d'Oman Big, décédé subitement cette semaine à l'âge de 2 ans et demi au Cameroun. Malheureux, les Lensois comptaient ce soir un autre forfait, celui de Pierre Lec, grippé. Plus incisif, ce sont les Montpelliérains qui prennent les premiers le chemin du but suite à cette ouverture de roseau que Fabrice Diver ne peut négocier au mieux, repris par Adjovi Boko. Montpellier s'installe, corner, frappé extérieur du pied par Azanovic, reprise de la tête de Leray. Malheureusement pour ce dernier, elle est à côté. Bis repetita, mais coup franc cette fois pour à l'arrivée en encore la tête de Leray, plus haut que tout le monde, mais toujours aussi malheureux. Toutefois, pour ce dernier, le cadre se rapproche. 40e minute et toujours pas de réaction lensoise, ce dont profite Montpellier, centre qui se transforme en tir de roseau. Claquette de Varmuse, cette fois sans l'intervention du gardien lensois, le ballon était bien dans le cadre. Corner, l'on approche de la mi-temps, l'occasion de voir enfin des Lensois aux avant-postes. Corner joué rapidement, frappe de Frédéric Mérieux, Barabé bien placé, ne peut que détourner. Avertissement sans frais pour un 0-0 à la pause, au grand désespoir des Montpelliérains. Scénario identique en seconde période avec Lens très en jambes, recroquevillant en défense et Montpellier généreux dans l'effort aux avant-postes qui, à l'image de cette frappe d'Azanovic, manque singulièrement de réussite. Mais c'est en la provoquant qu'elle arrive cette réussite, Montpellier sur la bonne voie, 1-2 d'Hiver Lefebvre. Thierry Leray démarqué pour l'ouverture du score, c'était sans compter sur Varmuse qui préserve son but au prix d'une superbe détente. Varmuse bien relayé par Dubois, plus prompt que Diver. L'on joue la 68e minute, ceci toujours dans les 20 mètres nordistes. Open under, signé Bertrand Rezeau. Varmuse gêné par Sanchez, ne peut saisir le ballon. Frappe de Sanchez, encore une fois à côté du cadre. Montpellier n'est pas verni. Avouez que l'occasion était belle. 81e minute, l'événement de cette rencontre, l'expulsion de Roger Boli, deuxième carton jaune suite à ce tac, un tantinet trop glissé sur Rezeau. Finalement à 10, les Lensois feront presque aussi bien que les Marseillais mercredi dernier, score final 0-0, les vacances arrivent à point pour les Montpelliérains. Oui, deux matchs dans des conditions atmosphériques et sur une pelouse difficile. Deux matchs en trois jours, c'était dur pour l'équipe de Gérard Gilly. Avec les deux victoires à l'extérieur, celle de Lyon à Metz et celle du Paris Saint-Germain à Sochaux. Demain, Bordeaux-Monaco, bien sûr. Vous découvrez tous ces résultats, mais voilà le classement. Donc toujours 4 points d'écart entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Bordeaux est à 8 points, mais Bordeaux compte un match en moins. Tiens, notez que Bordeaux et Monaco, sans jouer, sont toujours européens. Mais quelle bagarre, hein, à 24 points jusqu'à Montpellier. Tout peut encore se jouer, même Cannes, hein, bien sûr. Dans le bas du tableau, Angers grignote. Avec un point de retard maintenant, seulement sur l'avant-dernier, sur Toulouse. Le Havre était également en position de relégable en ce moment. Classement débuteur, Djorkaeff, on le verra demain, Wedek n'a pas marqué, Priou non plus, Ginola non plus, Vos, oui. Il rejoint le peloton des 10 buts. La prochaine journée, ce sera en 1994, 14 janvier, PSG-Marseille en direct sur Canal, 15 janvier, 22h15. Détourné en corner par Varmuse. Les joueurs de Montpellier auront des occasions en deuxième période, mais avant cela, une bonne occasion de Mérieux. Les voici les meilleures occasions montpelliéraines. Tout d'abord, Leray. Varmuse avait détourné. Et puis, il y aura également Lefebvre avec le numéro 7. Ça passe à côté des buts de Varmuse. Score final 0-0. Et on ne terminera pas le match sans une petite expulsion. Celle de Roger Boli à la suite de ce tacle. Antoine Dependis le renvoie au vestiaire. Et Boli n'était pas satisfait, visiblement. Aimé Jacquet, Montpellier, c'était votre avant-dernier club. Ensuite.